Shalom, shalom, maman prophétesse, papa pasteur et ma grande famille internationale TPS. Soyez bulldozerement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ah, le Seigneur est merveilleux. Il a agi dans ma maison lors du culte de célébration du dimanche 19 juillet. Dans la maison étaient présents ma belle-sœur, maman Agnès, Ahmed et Annelia, une personne qui a été invitée par Ahmed et les enfants. Donc, lorsque le culte a démarré, alors que nous étions que dans le moment de louange avec papa pasteur, Ahmed a commencé à manifester des pleurs, tremblements et s'est mis même à quatre pattes à trembler. Et tout de suite, ma belle-sœur et moi, nous avons commencé à prendre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ, en invoquant le sang de Jésus pour que tout ce qui n'est pas de notre Seigneur soit détruit en ce lieu et dans le corps d'Ahmed, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons pris également l'huile d'onction pour frotter sur la tête et les mains d'Ahmed, comme papa, pasteur et maman ont l'habitude de le faire. Et vraiment, Dieu est merveilleux, car quelques temps après, Ahmed a commencé à vomir. Et ensuite, il a senti une grande fatigue, un soulagement, un grand apaisement et une joie immense. Ensuite est revenu à lui. Ah, je rends vraiment gloire au Seigneur. Et je dis vraiment Alléluia, Alléluia. Gloire, gloire, Hosanna. Car maman n'avait pas encore, maman prophétesse n'avait même pas encore commencé son enseignement. Et lorsque l'enseignement démarre, elle nous dit, nous les bien-aimés qui suivons, nous allons nous-mêmes trouver le titre de son enseignement. Et plus elle déroulait l'enseignement, j'ai compris que le titre correspondait à la situation qu'on venait de vivre, car il fallait prendre autorité dans la parole en Christ. Et c'est ce que nous avons fait. On n'a pas fui, on est resté dans le combat, en sachant qui nous sommes en Christ. Oh, on bénit le Seigneur. Donc, c'est pour ça que je continue à rendre gloire à Dieu. Et vous, mes bien-aimés, continuez à demeurer en Christ, car la main de Dieu agit à tout moment. Et lorsque vous êtes même dans la louange, restez dans cette louange, car vous voyez que la délivrance de notre frère Ahmed s'est déroulée pendant le moment de louange. Ah, famille TPS, soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière semeur pour plus d'édification.